Okay, let's do this. Ready? Let's go. Hello, my friends. How are you doing? I hope you're all doing okay. Welcome back. I'm Pierre. And we are going to do our show in a bilingual manner today, just to change a little bit. So, bonjour, mes amis. On va faire notre show d'une manière bilingue aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé en français, j'ai peur d'oublier la langue. Donc on va faire comme d'habitude, on va commencer avec un petit résumé de ce qu'on a fait hier. Donc, on a commencé par... voyons voir, oh là là là, j'ai encore la gueule de bois d'hier, c'est pas possible. On a commencé à masquer tout autour de mon personnage central pour faire des éclaboussures. Donc une fois qu'on a mis du scotch et du papier autour, on a mis la toile par terre, on a fait plusieurs couches de turquoise, une petite couche de peinture noire pour donner un petit peu de profondeur. Voilà, ça c'était un petit peu le boulot d'hier. Bien sûr, après ça on a enlevé le scotch avant que la peinture sèche, sans ça on était mal barré. Et voilà, c'était notre journée d'hier. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, déjà, on va commencer par prendre la toile qui est par terre. On va l'accrocher au mur. Donc, on va faire ça tout de suite. Comme ça, ça c'est réglé. Et je vais pas m'inquiéter à marcher dessus et l'abîmer. La graffeuse. La toile. Et on va mettre ça, je sais pas, à peu près là. Voilà. Et en suivant le trait que j'ai au mur, théoriquement, ça devrait être droit. Donc je vais prendre un peu de recul quand même. Tout à fait. Nickel. Voilà. Voilà. Un petit coup de propre. Ok. Donc, on va remonter la caméra ici pour qu'elle reprenne sa place habituelle. Et donc, on va continuer à travailler sur cette partie centrale. Donc, moi, je comptais faire des petites fleurs sur ma petite plante. Et je pensais faire comme d'habitude, les éclabousser, mais j'ai peur que ça risque que j'ai pas le contrôle que j'aurais voulu. Donc j'hésite. Et comme j'hésite, ce que je vais faire en premier, alors je vais faire le contour en noir, comme ça aura le temps de sécher, et ça me donnera le temps de réfléchir aussi. Donc, je vais préparer ma peinture noire. Voilà. Sortir mon petit couteau, très bien. J'en mets un peu plus, rien pour être sûr, toujours, je peux toujours le remettre dans le pot s'il le faut. Voilà. Ok. Got the knife all cleaned off. Now I gotta just pick the right paintbrush. And we're going to do this circle right here. That will give me time to figure out what I'm going to do in the centerpiece. So,
Alors, trouver la bonne brosse. Je pense que je retombe toujours un petit peu sur mes brosses favorites. Oui, ça va être lui. Je vais le mettre à tremper un petit peu. Voilà. Bon, je vais remettre un peu les affaires à leur place. J'ai ramené la caméra numéro 1 un peu plus près. Voilà. Comme ça, on peut travailler et trouver la texture de cette peinture que j'aime bien avoir. Alors, bien sûr, pas besoin d'être un génie pour faire ça. Il suffit un peu d'eau et de la peinture et tout mélanger pour avoir la bonne texture. Et c'est tout. Voilà, ça a l'air pas mal. Ouais, ça a l'air très bien. Ok. Bon. Hop. J'avoue, je suis un peu crevé aujourd'hui. J'ai un technicien qui est venu à la maison mettre la fibre chez moi. C'est pointé à 8h30 du matin. Pas trop l'habitude d'être actif à cette heure-là encore. Donc, je suis un petit peu dans le pâté. Pas autant qu'hier où j'avais une putain de gueule de bois, je te dis pas. Mais bon, c'est pas encore la grande forme apparemment. So. We are going to do this. Let me just bring this camera up a little bit. I'm going to zoom it in just a little bit like that. And let's go to the dual setting right there. Je me concentre sur le bord intérieur. Le bord extérieur, je m'en occuperai après. Voilà. Ok. Bon, voilà, très bien. Pour le bord intérieur, super. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, me concentrer sur le bord extérieur. Ok.
un peu de recul quand même. Bah écoute, franchement. Ça se passe beaucoup mieux que je pensais. Je veux que ça soit assez large parce que je vais faire une déco sur cette bande noire. Donc, très bien, il y a qu'ici un petit peu. Voilà. Un petit peu ici aussi. Très bien, super. Super. Oh. Voilà. Ah, très bien. C'est vrai qu'il y a des effets d'optique à cause des éclaboussures qui font un peu bizarre là et là, mais faut pas se faire piéger. C'est à cause des éclaboussures et c'est pas vraiment. Hein, on pourrait croire que c'est parce que j'ai déconné ou raté le coup, mais pas du tout. Ça devient épais, quoi, pour pas mettre deux couches. Quoique, je pourrais peut-être faire ça un tout petit peu plus large ici. Ouais, très bien. Alors, on va rechercher cette sensation de perfection qui n'existe pas vraiment, mais bon, on ne peut pas s'en empêcher. Parfait, ok. Very good, right on, right on. Bon, alors, qu'est-ce que ça me laisse tout ça? Ça me laisse... J'ai été obligé de prendre une décision vis-à-vis de l'intérieur, là. Alors normalement mes petites fleurs, je les fais en faisant des petites éclaboussures comme ça. Mais c'est tellement petit ici, j'ai peur qu'en faisant ça, ça va aller un peu n'importe où. Je vais pas pouvoir contrôler. Quand c'est une grande toile et ça éclabousse un peu plus loin, ça a aucune importance. Mais dans un petite surface comme ça, c'est pas évident. Pas évident et ça me permet, tiens, en prenant un peu de recul, de voir à cause de la toile qui est un peu gondolée ici. Voilà. Et ouais, c'est comme ça qu'on est un pro. Donc, alors, au lieu d'éclabousser, je vais faire ces trucs avec mon couteau. Je vais les faire au couteau. Et maintenant, il faut que je décide
un petit peu la couleur. Donc je pense que j'allais les faire avec du blanc pour commencer. Donc voilà. J'aime bien montrer ça parce qu'on voit vraiment ce que c'est l'acrylique, quoi. C'est vraiment du plastique, hein. C'est vraiment des pigments dans une émulsion de polymère, autrement dit à base de pétrole, et c'est du plastique. Mais ça a l'avantage de nous donner des palettes toutes neuves. Donc c'est sympa aussi. Et aussi, ça permet aux couleurs de rester vraies pendant des, ben, soi-disant, des millénaires, hein. À savoir. La toile en dessous sera toute pourrie, aurait désintégré, mais la peinture sera restée en une fine pellicule. Du moins, c'est comme ça que je l'imagine dans ma tête, hein. Donc voilà, on va prendre du blanc, on va nettoyer ça, et moi je vais, je suis où là, sur ma caméra numéro 1, je vais revenir sur la caméra numéro 2, je vais bouger un petit peu ici comme ça, parce que je vais bouger la numéro 1 jusqu'ici, plus ou moins zoomé dans ma cuisine, parce que j'allais nettoyer mes pinceaux là et mon couteau à mon lavabo qui est juste là-bas. Ça va prendre 2 minutes, mais voilà, le matériel c'est le plus important. Donc, voilà. Non, c'est vrai que je chouchoute mes pinceaux, mais c'est pour ça que j'en ai qui ont 20 ans, quoi. Parce que je m'en occupe bien, quoi. Putain, j'avais tellement la gueule de jeudi hier, et qu'aujourd'hui c'était le début du week-end, j'étais tout content. Jusqu'à temps que mon fils me dit au téléphone que non, on n'est que mercredi et demain c'est jeudi. Mais enfin, comme des bons guerriers que nous sommes, on est là pour faire le boulot. Et on attendra demain pour commencer à faire la teuf. Voilà. Un peu de savon. Ouais, ça c'est des pinceaux que j'adore, donc vraiment, je préfère m'en occuper tout de suite. De toute façon, c'est ce qu'on avait dit, hein, on partageait tout ce qui se passe dans l'atelier. C'est le but de ce stream. Donc voilà quoi. Ça veut dire nettoyage de pinceaux, partager les gueules de bois. Voilà. Alors lui, je nettoie comme une bête parce que, à fur et à mesure, la peinture s'entasse vers le bas du pinceau, là où les poils et le bois se rencontrent. Et à la fin, au bout de quelques temps, il n'y a que le bout des poils qui reste encore doux, hein. Et de la peinture en bâtiment, on connaît bien le coup, donc. Et aucune pitié, j'y vais à fond, parce que comme ça, je retrouve mes pinceaux comme ils étaient quand ils étaient neufs, quoi. Il faut pas... faut y aller, quoi. Faut bien appuyer. Pas avoir peur, quoi. Je pensais pas que j'avais autant de pinceaux qui étaient sales.
pas grave. On sait qu'en entendant ce bruit, tout le monde a été aux chiottes, pisser. Donc voilà, il n'y a plus personne, je peux prendre mon temps. Et voilà. Le peintre est content, les pinceaux sont contents. Hop, hop, et voilà. Allez, tant qu'à faire, celui-là aussi. Alors la peinture acrylique, ça sent pas du tout, mais quand on laisse l'acrylique dans un pot et que ça commence à... Ben, au bout de quelques temps, ça pue les yeux durs, hein, c'est horrible. Donc, on va revenir à la caméra ici, qu'on va revenir en arrière. Voilà, on remet tout à zéro et après on verra où et comment mettre les caméras. Donc, j'en étais à ma peinture blanche pour faire mes petites bêtes. Ah merde, les cheveux, fuck. Ok, donc... Ça, ce couteau-là, c'est celui qu'il me faut. Et il faut surtout maintenant que je prenne un peu de recul et que je regarde vraiment ce que je vais faire et où je vais placer ces fleurs. Parce que je veux donner l'impression qu'ils sont un peu éparpillés n'importe comment et n'importe où. Mais bien sûr, il faut que ça soit feng shui. Je vais commencer là. Ouais, j'ai bien fait prendre le couteau, c'est vraiment sympa. En plus, tout le fond, je l'ai fait vraiment avec éclaboussure et les couteaux, hein. Donc, c'est dans la continuité, c'est très bien. Allez, un autre là. Il faut que je réfléchisse 20 secondes. Ok, je vais en mettre un là. Super. Là aussi. Voilà. On va en mettre un ici.
That's what I should do. I should do like every Thursday, my show in French. Like that, 4 days out of the week I do it in English, and Thursdays I do it in French. That makes sense. And like that, all my friends can partake. And there's nobody that's jealous, nobody left behind. Very good. Donc c'était une très bonne idée que je viens d'avoir là, c'est que je vais faire mon stream en anglais 4 fois par semaine en anglais, puis le jeudi je le ferai en français. Comme ça, ouais, très bonne idée. OK. Alors là, il faut que je réfléchisse parce que je pense qu'il faut peut-être pas en mettre de trop non plus. Et là, ça pourrait être pile poil ce qu'il faut. Je pensais en mettre encore un dernier, mais quelque chose me dit que qu'il y a une balance là, c'est équilibré, je pense que je vais en rester là, du moins pour cette première couche. Si plus tard, je me rends compte, il y a quelque chose qui déconne, je rajouterai une fleur. C'est pas la fin du monde. Donc, bien nettoyer le couteau quand même. De toute façon, je vais m'en resservir tout de suite. Je vais mettre un petit peu de chouïa de rose dans le blanc. Alors déjà, je vais reprendre mon pot de blanc et je vais remettre dedans l'excès de peinture que je pense pas que j'aurai besoin, parce qu'au prix que ça coûte, faut pas déconner. Et surtout pas gaspiller. Ça, il n'en est pas question. Voilà, allez, à la maison. Très bien. Hop. Voilà ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et qu'est-ce que je cherche là?
Je cherche un peu de rouge. Un petit peu de rouge. Non, c'est quoi ça? Vermillon. Non, je crois pas. Je crois pas que cette toile je vais me servir. Ah. Quoi est-ce? N'importe quoi. Ah oui, cadmium orange. Ah oui, c'est de l'orange, d'accord. Putain, je suis aveugle, là. Je voyais. Oh, c'est pas possible. Je voyais à travers ça et je pensais que c'était rose, mais enfin bon, laisse tomber, c'est même pas la peine que j'explique ma stupidité. On veut pas gâcher ma réputation. Mais c'est quoi ça? Magenta. Tiens, un truc tout neuf en plus. Ouais, peut-être ça. Ça avec un tout petit peu de blanc. Je sais pas. On va prendre un pinceau, on va mélanger ça ensemble, voir ce que ça donne. Donc, je vais revenir à la caméra numéro 1. Voilà. On va reculer un petit peu, on va baisser la caméra. On va essayer de trouver, de faire ce mélange ensemble. J'ai un peu d'eau juste à côté, ça tombe très bien. Et voilà, je veux pas en mettre vraiment trop. Je veux garder ça vraiment un rose très discret, très clair. Je veux que ça soit bien homogène comme je vais m'en servir avec le couteau. Ouais, je pense que ça a besoin un tout petit peu plus quand même. Voilà. Je sais qu'à la caméra, le plus qu'il y a de contraste, le plus sympa c'est. Mais dans la vraie vie, il faut quand même qu'il y ait des nuances, faut que ça soit discret. Même si ça se voit mal à la caméra, parce que, après tout, mes clients, ils s'en foutent de la caméra. Donc voilà, un petit rose très discret comme ça, je pense. Ou est-ce que c'est pas assez fort? Bah écoutez, je pense que j'ai essayé. Allez, on va essayer sur une fleur. Je zoome. Allez, je zoome même pas mal. On va faire comme ça à peu près. Jeter un coup d'œil à ces petites fleurs-là. Je prends mon couteau que j'avais avant. Et je vais me servir de l'autre côté. Le côté le plus fin. Voilà, quand je disais que je voulais que ça soit discret, je n'exagérais pas, c'est discret, c'est très bien. Voilà. Très bien. Voilà. Franchement, très discret, peut-être. Ça se verra mieux si je zoomais encore un peu plus. J'ai toujours peur que la caméra devienne floue. Quand je zoome de trop, j'ai eu ce problème dans le passé, là. Et,
Alors, je suis où là? Je suis là. D'accord. Voilà. Quand je disais que c'était discret, j'exagérais pas, hein. C'est un rose vraiment très discret. Voilà. D'accord. Je crois même que je vais rajouter un tout petit peu de magenta plus fort. Alors vraiment, vraiment très peu, quoi. Alors quand je dis très peu, vous avez vu. Ça se voit à peine, c'est vraiment un. Au moins un petit soupçon. Oh, Diamant. Viens jouer avec nous? Ouais, excellent. Ouais, avec moi, bien sûr. Non, pas tout à fait. Je pensais peut-être c'est mieux peut-être que tu te mettes là, comme ça tu peux me regarder peindre en même temps, plutôt que de là regarder le mur et te. Hein, vaut mieux voir le génie à l'œuvre. Génie sans côté. Exactement. Alors, espérons que ça va marcher ce coup-ci. Donc j'ai baissé ça un petit peu. Je pense que ça va être plus sympa. C'est cool, il y a Jalil là, qui a un atelier juste au-dessus de chez moi là, qui va venir répéter, jouer un petit peu avec nous. C'est super cool là. Super sympa. Super derrière toi. C'est vrai. On dirait vraiment la jungle. Je ne sais pas comment mettre le niveau là, je pense que ça va être bien. Donc moi j'ai coupé mon micro, rappelle-moi de le remettre. Ok. La dernière fois j'avais zappé, Ah oui. tu te souviens. Oui. Donc là il n'y a que ton micro qui marche et d'après le. Ce que je vois, ça a l'air de bien marcher. La cloche est en ré.
C'est marrant, il y a deux tons. Il y a ça. T'as réussi à joindre Diego ? Oui, ouais, je l'ai vu. Oui, ma fille a quelques CD. Des trucs très sympas, quoi. C'est cool. Avec Yatsek, là, l'album. Exactement, un truc avec Yatsek et Lucien, là. Ah ouais. Un CD à eux trois, un CD de où Yatsek joue tout seul. D'accord. Et un troisième truc où c'est une. Comme un petit film avec Diego et son copain qui joue là le tabla ou je sais pas quoi, et ils jouaient sur la promenade des Anglais. Ah, le Darbuka, là, ouais, voilà. Donc, il m'a filé ces trois trucs-là, mais le CD avec Lucien est super bien, quoi. Ah ouais, c'est cool. Super bien. Bien enregistré et tout. Très bien enregistré, puis de la super musique, quoi. C'est... Pour pouvoir jouer une heure comme ça, sans droit d'auteur, c'est... Ouais. C'est l'idéal, quoi. Surtout quand j'ai des longueurs, toujours faire le même truc un peu chiant. Tu le mets sur l'ordi, ça ? Ouais. Ouais, obligé. Bon, bah, je te laisse jouer, je reviens dans une heure et demie. Ça y est, c'est fini. En fait, je l'accordais en haut, mais en haut, il fait chaud. Là, il fait un peu plus humide et j'ai senti direct que ça a descendu. Tu vois le délire ? À ce point-là ? Ouais, là, l'hydrométrie est en train de changer avec la pluie. Ah ouais. Ça fait lourd, tu sais ? Ouais, moi, je sais que j'étais obligé d'enlever ma casquette, je transpirais comme une bête, quoi. Il est chaud comme j'hésite tout. J'hésite à descendre en vélo, mais je suis descendu en vélo, mais je l'ai garé dans le pigeonnier. Comme ça, s'il pleut, je remonte en tram. Ouais, il doit pleuvoir aussi demain. Je suis remonté sous la flotte hier à vélo. Ah bon, il a plu hier ? Ah oui, il a plu. Ah oui, il a plu, il a bien plu même. J'étais en short, en tongs et en t-shirt et je suis monté par le tram. Par le tram. Ouais. Jusqu'au terminus du tram. Falicon. Comte de Falicon, ouais. Et au-dessus, c'est le terminus. Je me souviens pas qu'il a plu, mais c'est vrai que j'ai bossé assez tard hier sur un montage de vidéo, donc j'ai pas fait attention, mais j'ai pas vu la pluie. Eh oui, il a tombé, ça a rincé bien pendant une heure. Hein. Ah bon ? Putain ! En plus, je lui ai dit au gars, j'ai dit, faut que je parte. Lui, il venait pour des cours de chorale, le gars, hier. Ah. Ouais, il a l'air sympa. Hein. Ouais, il est sa sympa. Copine aussi, elle est quoi, elle ? Elle, tu la connais parce qu'elle est déjà venue là plein de fois. C'est Maria, d'accord. Une Italienne qui est... un peu blindé, qui se passe 8 mois en Inde, là elle revient de 8 mois en Inde. D'accord.
Ouais, hier j'étais pas bien. J'avais cette putain de gueule de bois. Merde. Oh là là. Ah ouais, j'ai pas picolé hier soir, hein, crois-moi. Il y a un match ce soir, je crois, il y a PSG. Non, ouais, faut que je vérifie. Je crois qu'il y a PSG contre Lyon ou je sais pas qui. Ah oui, oui, je crois que t'as raison. T'as raison, ouais. Tu crois que tu l'entends bien? Tu veux écouter? Bah écoute, d'après ce que je vois sur l'ordi, oui. Thank you.
Comment? Ouais, ça s'accroche bien, ouais, c'est super. J'ai de l'eau là, hein, si tu veux. Mais quel revue? Ils sont pas là aujourd'hui, si? Ah, ils bossaient là? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est pour ça que ça prend 8 mois, hein. Putain, je te jure. Mais... Bon, bah écoute, moi je vais arrêter mon stream. Hein. Bah oui, bien sûr. Il était gonflé. Le gars, tu sais, qui te taquine. Ouais. Là, je fume une clope à la fenêtre. Ouais, tu peux fumer où tu veux. Là. Putain. Tu te bronzes, c'est vrai qu'il y en a eu. Il a la désigne. C'est une belle expression française, ça. Hein. Ah ouais. Bon, bah super, ça c'était Jalil hein, qui nous a accompagné aujourd'hui. Et on a, bon, plus ou moins terminé pour la journée. Mais rejoignez-moi demain à 15h pour continuer. Et espérer que demain on pourra terminer l'intérieur de ce cycle pour terminer la toile début de la semaine prochaine. Donc, voilà, bah, à demain. Et je vais dire au revoir à mes potes américains aussi. So this concludes today's stream. Obviously, Jalil came and played with us. That was really cool. I hope you'll join me tomorrow morning at 9 a.m. And hopefully we can get the centerpiece completely done and finished with. I'll just zoom in one more time. There we go. So you can see really what we did today. And so it wasn't really that complicated. Just do those little flowers and whatnot. And like usual, I'm going to leave you with the schedule of my screen. I'll be here tomorrow at 9 a.m. And I just want to say one more time, hope you have a great day. And
Ciao mes amis.